Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et bah, gros GG à Alex Mas. Coucou qui bite, les chaussures sont violettes. Exactement, les chaussures, elles sont violettes. Et bah, je te laisse me contacter soit sur Twitter ou soit sur Instagram. Des bisous. Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et regardez, je suis dans la petite pièce que je me suis faite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça. C'est la pièce que j'ai faite avec tous les objets du partage qu'on a récupéré bah, le jour du partage, hein, le jour de Thanksgiving. Et franchement, j'aime plutôt assez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouvais ça très très cool de faire une petite pièce spéciale pour ce jour-là avec tous les objets. En tout cas, et ben voilà, on va commencer ce petit let's play. On est sur mon île, bah oui, hémisphère nord. Et donc, on va aller offrir des petites choses à mes habitants comme d'habitude. Mais pour bien commencer cette vidéo, et ben j'invite toutes les personnes qui sont pas encore abonnées à ma chaîne, et ben go vous abonner. Et surtout, bah, les petits pouces bleus directs hein, pour ce petit let's play du lundi. Et j'espère que votre semaine se passe bien. Et bah, je vous retrouve tout de suite pour le let's play. Ok, et bah, c'est parti. Regardez ce que j'ai préparé comme cadeau pour les habitants aujourd'hui. La déco fête du partage. Je vous montre, pour tous ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble. C'est le, voilà, c'est le truc avec les ballons et tout. Et je trouvais que c'était cool. Au début, je voulais offrir la décoration, vous savez, l'espèce de petit truc de blé. Et je me suis dit que c'était pas... Attendez, j'arrive pas à vous le mettre à l'endroit. Ah Attendez. Je vais y arriver, hein. Oh bah zut alors. Pas dans le bon sens. Voilà. Et ben au début, je voulais prendre, vous savez, juste le petit pot de blé. Et puis je me suis dit que c'était pas ouf, que c'était trop petit et que c'était beaucoup trop facile à craft. Et je me suis dit que le mieux, c'était de prendre quelque chose de peut-être un petit peu plus compliqué. Là, il fallait de la mauvaise herbe, il fallait du bois tendre et il fallait quoi d'autre? Il fallait de l'argile. Et je me suis dit que c'était cool. Au début, je voulais vraiment prendre quelque chose avec du fer. Parce que je sais que ça a plus de valeur. Mais bon, bah, je me suis dit que ça, c'était joli. Et que c'était cool s'ils le mettaient chez eux. Je sais pas s'ils vont avoir la place de le mettre chez eux. Et j'espère surtout pas qu'ils vont le mettre par terre. Comme très souvent, la jolie Nadine, elle me met les trucs par terre. C'est juste une catastrophe. Après, c'est un bazar chez elle. Incroyable. Ok, on récupère le petit fossile par ici. Alors, par là, il n'y a pas la bouteille à la mer. Là-bas, je pense pas, elle n'y est jamais. Au pire, eh ben, on y retournera si elle est là-bas. En général, elle est tout le temps de ce côté-là. J'espère qu'aujourd'hui, on va récupérer quelque chose, hein, une mimique ou un truc comme ça. Hein. Regardez-moi ça. Elle est en train de se dorer la pilule, la petite Christine. Elle est magnifique dans sa petite robe rose. Elle est trop jolie. C'est la robe victorienne, si je dis pas de bêtises. Et bah, ce qu'on va faire tout de suite, la priorité, c'est de passer tout de suite chez les nains. Ok. Oh, il y a Pollux. Ok, salut Pollux. Allez, tutut. Ok, il y a Néferti par ici. Ouais, la priorité, c'est vraiment d'aller chez les nains. On regarde vite fait qui c'est qu'il y a sur la place. Ok, il n'y a personne encore. Oh, il y a Laura, évidemment, toujours en plein milieu de la route, en train de manger son sandwich. Elle peut pas s'asseoir sur une chaise, elle peut pas s'asseoir dans les fleurs, non. Elle s'assoit, elle, sur la route, et puis bah, comme ça, c'est pas du tout dangereux. Et puis comme ça, elle risque pas du tout de se faire renverser. Bon, on sait qu'on est sur mon île, mais quand même, hein. Allez, go chez les nains. Hé, hey, coucou mes petits nains. Oh, bah regardez, aujourd'hui, c'est la table. C'est la table du partage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lit, ça je crois que c'est la collection Mimi. Bleu, ok, une cabine, machin. Non, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est le papier cadeau. Ah oui, et pour tous ceux, il me semble avoir vu la dernière fois, est-ce qu'il n'y a pas les plans? Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pour tous ceux qui, je ne sais pas si on les débloque, on les débloque uniquement ici, tous les plans comme ça, quand on a fait, quand on les a déjà nous débloqués, nous-mêmes débloqués, je pense, hein, je ne sais pas. En tout cas, les plans du partage, comme vous pouvez le voir, ils sont juste ici. Et je trouvais que c'était cool parce que si vous avez envie de les offrir à quelqu'un, et ben voilà, ils sont ici et c'est vraiment vraiment cool. Cool, 19 800 clochettes. Ok, et ben nous aujourd'hui on va prendre du papier cadeau. Il y a du bleu et du violet, c'est magnifique. C'est deux couleurs que j'adore et d'ailleurs regardez, c'est assorti à ma tenue d'aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un signe. C'est un signe. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien parti. On a intérêt de débloquer quelque chose de cool. Hein. J'espère qu'on va débloquer quelque chose de cool. J'ai absolument envie d'avoir une mimique. Soit de Chuck, soit de Grisette. Ou la photo de Didi.
Cet escroc qui m'a toujours pas filé sa photo. Vilaine. Bon, allez, j'emballe tout et on se retrouve. Ok, et bah c'est parti, je suis parée, regardez-moi ça, j'ai tout emballé. C'est beaucoup trop joli, j'adore les couleurs. Et ben c'est parti, on est prêt pour cette tournée de cadeaux. On espère vraiment, vraiment récupérer, eh bien, quelque chose... Oh my god. Oh purée. Qu'est-ce que t'as? Ah là là, est-ce qu'on lui fait du tada? Allez, on lui fait du tada, hein. Oh là là, elle s'éloigne trop. On va se mettre de l'autre côté et elle va se... Oh là là, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Mais qu'est-ce que t'as? Aïe, aïe, aïe. Dommage qu'elle murait. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Néferti? Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Oh là là. Tu vas te faire mal à la tête, hein, je le dis à chaque fois. Vous faites mal à la tête quand vous réfléchissez trop comme ça. Hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'elle a? Je pense pas qu'elle ait envie de partir, parce que, je vous dis, il n'y a pas très longtemps, c'était Nadine, c'était Christine, pardon. Et donc, en général, c'est pas possible que ce soit elle encore qui ait envie de partir. Oh, bah regardez, la grisette derrière, elle s'est changée. Bon, on lui parle. Pff, ça recommence, j'ai acheté un bac à litière. Oh my god, c'est rien, ça va, c'est son bac à litière. Mais une fois rentrée, je me suis rendu compte que j'en avais déjà acheté un la semaine dernière. Oh, ma pauvre chérie. S'il y a bien une chose que je hais, c'est le gaspillage. Du coup, je vais te le donner. Oh, c'est trop mignonne. Merci, ma chérie. Je t'offrirai un autre chat sur mon île hémisphère sud. En vrai, je vais commencer à en avoir beaucoup, hein, des... Je vais commencer à en avoir beaucoup. Oh, regardez. Elle se mange une petite soupe parce qu'il fait... Il commence à faire froid. Bon, elle a mis sa petite robe. Vous avez vu, moi, j'ai mis... J'adore ce kimono. C'est Denny qui me l'avait offert. Et j'adore, je le trouve magnifique. Il a une petite fourrure sur le col. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, bon, on est quand même à l'automne, il fait frais. Donc, eh ben, je me suis mis le petit kimono chaud comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh ben, on va lui donner un bleu. On va lui donner un bleu parce que c'est quand même ses couleurs, bleu et jaune. Hein. Allez, ouvre! Une déco faite du partage, il doit y avoir une erreur. Non, il y a pas une erreur! Merveilleux, c'est exactement ce dont je rêvais, Kibi. Il me reste qu'à trouver l'emplacement parfait, nanana. Qu'est-ce qu'elle m'offre en retour? Je vais voir, c'est important. Hein. Une tenue d'ouvrier, ok, elle m'offre quelque chose, ça veut dire que déjà, c'est bon signe. Ça veut dire que ça a de la valeur, ok. Ok, bah parce que moi le but c'est aussi de gratter des points d'amitié, hein. Allez la grisette. Yo Kibi, tu dis quoi de ma façon de te saluer? Ah, tu kiffes ou j'en fais des tonnes? Ah, je vais pouvoir lui changer son bonjour. Non, c'est cool, je trouve. Non, on va lui faire dire konnichiwa, comme ça, ça change. Discutons un peu. Il y a des jours où je suis... Ah non! Vraiment, je croyais que je pouvais... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah non, c'est pas du tout comme ça. Normalement, ils réfléchissent. Ok, bon bah c'est pas grave. On va lui offrir son cadeau. Alors voilà, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, vas-y, ouvre. Attendez, je vais même pas encore donner la pauvre. Qu'est-ce qu'on lui donne? Un violet, allez. Tiens, ma petite grisette. Je voulais être trop rapide. Super, c'est quoi? Eh bah ouvre. Est-ce que c'est une déco faite du partage? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ma cocotte. Waouh, merci Kibi, t'assure. Va falloir passer un coup de balai dans ma turne avant d'installer. Ouais, bon, de toute façon, c'est claqué au sol chez toi. Donc, dans tous les cas, peu importe où tu vas le poser, ça sera dans tous les cas toujours aussi claqué au sol. Une veste de survette. Ok. À tous les coups, elle m'offre la même que la sienne. Venez, on vérifie. Venez, on vérifie. Placé. Oh my god, non, ça va. C'est pas la même. Elle est verte. Ok. Oh, regardez, elle s'est déplacée. Oh là là. J'ai parlé tellement fort qu'elle m'a entendu. Mais regardez-moi ça, en train de manger son petit sandwich. Oh là là, on la voit pas d'ici. Quel dommage. On va la pousser un peu. Tut tut. Allez, on se lève. Waouh, regardez-moi cette tête. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est trop belle, elle a mis sa tenue de servante. Ça alors, salut, je pensais justement à toi. Oh là là. C'est vrai? Tiens, voilà, c'est pour toi. En vrai, j'espère une chose, c'est que c'est hyper grand ce que j'aurais offert. J'espère juste un truc. Eh ben, c'est qu'ils les exposent pas chez eux parce que franchement, ça va être chelou.
tiens, bah violet, c'est parfait. C'est la sortie à elle. Ah là là, regardez-moi ça, cette petite bouche là. Une déco faite du partage. Regardez-moi cette tête qu'elle fait. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle a été très très bien réussie quand même. Oh là là, quand elle a les yeux grand ouverts, tout écarquillés, je crois que c'est la meilleure tête qu'elle... C'est sa meilleure tête. Merci infiniment. Allez, envoie-moi un petit cadeau, là, et puis après, on passe au suivant. Un robot de cuisine. Oh, ça claque, ça, dit donc. Oh, c'est un super cadeau, ça, dit donc. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, regarde. Un robot de cuisine, placé. Ah ouais. Oh, ça a de la valeur, me semble-t-il, hein. Est-ce que... Je veux juste aller voir. Comme ça m'évite de faire 10 milliards de fois de tour. Oh oui! C'est vrai, j'ai pas vérifié. Regardez, elle a mis sa couronne. Pourquoi Raymond, il l'a pas? Est-ce que j'ai peut-être... Ah, j'ai peut-être pas pu lui offrir à Raymond. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai offert. Ah non, je les ai offert à tout le monde, les couronnes, c'est sûr. Pourquoi il l'a pas mise, lui? Oh, on va aller le voir. Coucou mon Raymond! Bienvenue dans le célèbre manoir Raymond, ça fait plaisir de te voir ici, Kibi. Oh my god, mais est-ce que vous avez capté un peu tout ce qu'il y avait chez lui? Il y a n'importe quoi chez lui, c'est le bazar total, mais total quoi! Tiens, ça te ferait plaisir! Oh my god, il manquerait plus qu'il mette ça quelque part, et alors là, ça devient une catastrophe. Alors, on va lui offrir un bleu. Oh là là, et puis toujours cette... Non mais ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout chez lui, hein. Quelle surprise! Bon, allez, je l'ouvre. Bah oui, ouvre! Je suis en train d'halluciner, j'ai bien là une déco faite du partage. Non, c'est pas une... T'hallucines pas, mon coco. Ok, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il m'offre? Un blazer emblème. Ok. Non mais regardez, bon, là ça va. Ce côté-là, ça va. Le bureau, ça va aussi. Bon, bon, la canne à pêche et tout ça. Forcément, ça va. Et ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, que penses-tu de la scénographie des lieux? C'est claqué au sol, hein. C'est comme ça qu'on dit entre VIP, ça veut dire façon admirable dont j'ai posé mes meubles. non, c'est claqué au sol. Il m'a même pas laissé répondre, j'aurais dit, hein. Oh là là, j'aurais été sincère avec lui, j'aurais dit, écoute, c'est claqué au sol, ça, franchement, ça va pas du tout, va falloir que tu l'enlèves, hein, ça va pas du tout. Puis alors ça, c'est plus Halloween non plus, hein, mon petit Raymond, hein. C'est plus Halloween, regardez, je sais pas si vous avez capté, il y a la lanterne Halloween qui est juste ici. C'est plus Halloween, il faut l'enlever maintenant. Allez, salut! Bon, on a bien fait de passer par là, dis donc. Est-ce qu'on retournerait pas voir Christine tout de suite? Hé, tutut! Pour une fois qu'il n'est pas dans un endroit perché au milieu de nulle part sur mon île, c'est assez incroyable. C'est complètement incroyable. Eh ben voilà, il est là, regardez. On a bien fait de retourner en arrière. Miss Click, c'est chouette de passer me voir, cette journée va déchirer. Oh, et tous les jours, elle me dit la même chose. C'est un truc de dingue. Tu veux pas changer de dialogue? Allez, tiens, voilà, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Eh ben... Voilà. Bim! Le cadeau qui va tout déchirer. Oh, c'est quoi, Didi? Eh ben, ouvre! Attends, tu blagues? Une déco faite du partage? Non, je blague pas. T'hallucines pas, c'est bien ça. Merci, Kibi. J'adore la couleur. Mais ils ont toutes la même couleur. Une tenue de chef. Magnifique. Comment te dire que je suis ravie? Ok, allez, salut! Oh purée, lui j'hallucine vraiment le Pollux. Je comprends pas pourquoi il est là pour une fois, dis donc. D'habitude, je vous dis, il est toujours dans des endroits complètement improbables. Et puis bah il peut ni descendre ni monter. Donc je sais pas comment il se débrouille après. Mais attendez, y'a pas la... J'ai regardé si y'a la bouteille à la mer ici. Non, en vrai elle est jamais ici. En vrai elle est jamais ici, y'a trop de choses ici pour qu'elle se mette ici. Hé la grisette, quand tu veux pour me filer ta mimique toi, hein. Attendez, on va lui parler encore. Peut-être que ça fait gagner des points, hein. À quoi bon cavaler, blablabli, blablabla. Ok, ça marche, salut. Ce fut très rapide. Alors, devant chez Kikibiji, qu'est-ce qui s'y passe ici? Eh ben, pas grand-chose. J'ai vu qu'il y avait des champis. On va aller récupérer les champis. Hop là, hop là. Est-ce que c'est le bazar? Non, c'est pas le bazar ici, dis donc. Alors, ma petite pelle, elle est où? Elle est juste là, hop là. On fait du bon nettoyage, comme ça, ça reste propre et c'est nickel. Ouh, un champignon rare.
Oh là, aujourd'hui, on va pas se faire des pâtes avec. On va se faire, oh là, on va se faire une brouillade. Oh, des œufs brouillés. Oh là, c'est trop trop bon. C'est trop trop bon. Des œufs brouillés avec la truffe. C'est une dinguerie. Alors, ici, Didi n'est pas chez elle. Mais regardez, Laura non plus, elle a pas accroché. Comment ça se fait? Oh purée, comment c'est possible qu'ils aient pas tous accroché leur couronne? N'hésitez pas à me dire si vous savez. Bon, Didi n'est pas chez elle. Elle est où, dis donc? Ok, évidemment, Chuck, il l'a accroché, hein, tout de suite. Hein. Ok, on va faire du ménage. Il est tout le temps chez lui! Jamais il sort, c'est incroyable! Quand c'est possible? Pourquoi il est tout le temps chez lui? Il a intérêt à être en train de craft, au moins que je récupère un plan. Hein. Ok, petit nettoyage par ici, c'est fait. J'en étais sûre. Ok, un petit fossile qui se cachait juste derrière. On va aller regarder derrière parce que souvent, c'est le bazar. Non, ça va. Oh, regardez, Monica derrière. Ici non plus, ça va. Bon. Ah bah, regardez. Petite fossile juste là. Oh là là, pourquoi ils sont pas tous... Ça me perturbe. Pourquoi ils sont pas tous accrochés leur couronne? Aïe, aïe, aïe. Il est pas en crainte de craft. Aïe, aïe, aïe. On va se mettre de l'autre côté, comme ça on voit pas sa tête. Oh zut. Ah, te voilà, Kibi. Fais comme chez toi, repos. Non, ça va, on va pas rester longtemps. On va faire genre discuter, blablabli, blablablu. Oh, ok, super, elle a dit que mon kimono était magnifique. Ok, ouais, je déborde d'énergie, c'est exactement ça. Je suis hyper pressée, tiens. Ça te ferait plaisir. Oh, c'est quoi? On va lui filer un bleu. Allez, tiens. Je suis sympa quand même, hein, mon petit Chuck. Hein. Ah, je me demande bien ce que ça pourrait être. Eh bah, ouf, tu sauras. Dès qu'on fait du partage, c'est pas une blague. Bah non, si je viens de te l'offrir, c'est pas une blague. Je suis pas très gentille avec lui. Un tabouret des années 50. Oh, c'est incroyable. C'est magnifique ce qu'il vient de m'offrir. Allez, salut. Bon. Et bah lui, il sort jamais de chez lui. Jamais il va m'offrir sa mimique. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Et ma petite Monica, elle s'est levée. Elle a mis la couronne, elle, GG. Oh, Kibi, Miss Click. Tiens, voilà, c'est pour toi. Tu as quelque chose pour moi? Bah ouais, j'ai quelque chose pour toi. On va lui filer un bleu. Allez. Oh, mystère. Ouvre. Dès qu'on fait du partage sans blague, en vrai et tout. Ouais, en vrai et tout. Merci beaucoup, ça fait un moment que j'en veux une. Ah bon? Et bah tu vois, j'ai lu dans tes pensées, un débardeur de fitness. Ok, incroyable, magnifique. C'est génial. Allez, salut! J'ai vu qu'il y a la bouteille à la mer juste par là. Et bah dis donc, elle est vachement haut aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On espère un plan, évidemment, toujours comme d'habitude, qu'on connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Un ukulélé. Je connais déjà ça depuis longtemps, même. Depuis très 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 longtemps. Allez, on continue. Bon, il n'y a rien d'intéressant par là. Christine, elle est pas chez elle. Enfin, même si elle était chez elle, de toute façon, on l'a déjà croisée. Ma petite chérie Nadine, elle est peut-être chez elle. Oh, elle n'est pas chez elle, dis donc. Elle n'est pas chez elle, mon petit bébé Mathéo. Alors, bébé Mathéo, est-ce qu'il est chez lui? Ouais, bébé Mathéo, il est chez lui. Allez, go le voir, hein. En train de craft. Ah oh là là, mais regardez-moi ça. Chez lui, c'est n'importe quoi. Oh, en vrai, ça va un peu mieux. Il faudrait juste qu'il mette la canne à pêche dans un coin et ça serait 10 fois mieux. Et j'aimerais bien qu'il enlève cette lanterne d'Halloween. Et regardez-moi ça. Il a mis sa tortue là. Ah. Allez, on va lui parler. Oh mince, on le voit pas. Regardez, il est tellement tout petit. Oh Kibi, tu me surprends en plein bricolage, plongé dans mon bouillonnement créatif habituel. Tu bricoles quoi? Qu'est-ce qu'il bricole? Un mur en chevron chocolat. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Ah, c'est un mur? Vas-y. J'ai peut-être déjà, je sais pas. Ça m'intrigue. Oh bien sûr, vas-y, envoie ton plan, vas-y, 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 partage. Hein. Je vais regarder tout de suite qu'est-ce que c'est. Ça m'intrigue de ouf. Allez, donne! On va se déplacer parce qu'on ne voit pas du tout. Ok, c'est cool. Merci, merci, merci. Alors, attendez, on regarde parce que ça m'intrigue vraiment. Alors, voir. Ah, je les connais déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez.
Je suis perturbée là, dis donc. C'est... Alors attendez, c'est les murs et les sols, donc c'est forcément ici. Ah, c'est ça! Ok, c'est claqué au sol. Ok, merci, c'est gentil! Quoi de neuf? Vas-y, mes oreilles sont grandes ouvertes, Miss Leek! Bah, j'ai rien à te dire. Tiens, voilà, c'est pour toi! Oh, t'es sérieuse? Oh là là, bien sûr que je suis sérieuse! Allez, cadeau! Oh, j'ai trop hâte de l'ouvrir! Eh bah, ouvre! Oh, je me demande où il va le mettre! Hein. Il va le mettre par terre. Je suis sûre qu'il va le mettre par terre en plein milieu. C'est obligé, ça va être claqué au sol. Oh, j'ai pas vu. Ah, un kit du petit coin. Ok, c'est magnifique. Le kit du petit coin, faudrait que je l'offre à Chuck, dis donc. Regardez-moi ça. Non, mais moi, ça me fait toujours... Est-ce que ça vous fait délirer ou pas qu'il ait posé sa tortue comme ça? Par contre, la tortue, il aurait pu la mettre par terre. Elle crie et tout, c'est énorme. C'est trop énorme. Faudrait que j'en offre à tous les habitants, dis donc. Allez, salut! Allez, c'est parti pour la question cachée. Petite pause sandwich. Regardez-moi ça, la Laura. Elle est en train de grignoter son petit sandwich à côté. Elle est trop mignonne. Elle est assise pour une fois. Elle n'est pas assise sur la route. C'est moi qui suis assise sur la route. Allez, c'est parti pour la question. Eh bien, ça va être très simple. Quels sont les deux habitants que je veux faire venir en dernier sur mon île hémisphère nord? Eh ben voilà. Bonne chance à tous. C'est une bonne idée, ça. Il aurait fallu que j'en offre à tous les habitants. Ça aurait été trop drôle. Ils auraient eu chacun. Oh, regardez ça, Didi. Attendez, je vais juste vite voir au niveau du... Après, je vais oublier. Je vais absolument voir au niveau du camping s'il y a du bazar. Parce que souvent, des fois, maintenant, j'oublie un peu de passer ici. Hein. Je sais pas pourquoi. J'oublie. Et du coup, eh ben, il y a du bazar. Il y a du bazar, il y a du bazar. Ok, un petit fossile par là. Et apprendre à voir Didi. Elle a intérêt aujourd'hui à me filer... À me filer sa photo. Hein. Elle a intérêt. Hein. On croise les doigts. On espère que Didi me file sa photo aujourd'hui. Cette escroc-là. Cette arnaqueuse! Mardac total. Comment c'est possible que ce soit la plus difficile à récupérer sa photo? Bon, c'est une arrogante, ok, mais enfin quand même. Elle est quand même pas du niveau de je sais pas moi, par exemple, Néferti. Néferti, elle a un level quand même au-dessus, même si j'aime beaucoup Didi. Néferti, elle est vraiment, vraiment bien loin au-dessus. Bon, en même temps aussi, c'est mon habitant préféré. Hein. Mince. Ah, elle est là! Mais encore? Mais elle réfléchissait déjà la dernière fois, purée! Oh, il y a Chuck derrière là-bas! Il est sorti de chez lui! Oh zut! Pardon! Oh Kibi, j'ai gagné un chapeau de pluie en participant à un jeu concours. Normalement, je serais ravie. Ok, c'est une quête. Purée, elle a intérêt à me filer sa photo. Pour combien? Je l'achète direct. 1400 euros, peu importe, ça me va. Genre, c'est un peu cher. Je m'en tape, je vais aller le revendre après. Je suis blindée en clochette! Regardez-moi ça! Rien que sur moi, j'ai 127 000 clochettes. Ok, c'est tout! C'est tout! Mais comment ça, c'est tout? Ah non, zut, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est tout! Mais c'est incroyable! Aïe 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 aïe! Elle est dure en affaire, elle! Et qu'est-ce qu'il est allé faire le Chuck là-bas? Regardez-moi ça! Il sort jamais de chez lui! Oh, il est en train de boire son. il a froid! Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Ah, il va y s'asseoir! C'est génial, regardez-moi ça! Il s'est assis devant un poteau! C'est incroyable! Magnifique la vue! Ah, mon petit Chuck! Allez, salut! Aïe 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 aïe! Bon! Qui c'est qu'on n'a pas croisé? Il me reste deux cadeaux, me semble-t-il! On n'a pas croisé Nadine! Et on n'a pas croisé... Qui c'est qu'on n'a pas croisé? On n'a pas croisé... Laura, c'est fait. Qui c'est qu'on n'a pas croisé? Attendez. On fait un petit point. Je vous montre la carte de mon île pour tous ceux qui ne connaissent pas. On est sur Kibi Island, évidemment. Et donc... alors, Monica, c'est fait. Christine, c'est fait. Raymond aussi. Néferti aussi. Chuck aussi. Grisette aussi. La Nadine, on ne l'a pas croisée encore. Ah mais c'est Didi que je lui ai pas offert, que je suis bête. Je lui ai pas offert son cadeau à elle. Ah là là. Bah peut-être pas. Maintenant, elle va peut-être me filer sa photo. Elle a intérêt. Si on discutait. Il semblerait que Polly soit venue nous rendre une petite visite aujourd'hui. J'avais remarqué, hein. Ok, c'est incroyable. Alors. Ma parole, c'est toi. Bah. Non, c'est Chuck.
Tu trouvais pas qu'on se ressemblait avec Chuck? Aïe, aïe, aïe. Faut se laver les yeux, hein. Oh, tu n'aurais pas dû. Bah si, en même temps, tu m'as toujours pas filé ta photo, donc je suis bien obligée de t'offrir plein de cadeaux. Non, je rigole, la pauvre, quand même. Je suis pas gentille avec elle. Allez, ouvre. Oui, c'est une déco faite du partage. Allez, envoie ta photo. La photo, la photo, la photo. En débardeur de basketball. Mais c'est pas possible. Je vais jamais y arriver avec elle. C'est incroyable. Comment c'est possible que ce soit aussi compliqué alors que j'ai récupéré la photo de tous sauf elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une explication? Parce que je lui offre des cadeaux depuis très longtemps quand même. Ça fait longtemps que je l'ai dit, hein. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je pense qu'elle fait partie de mes premiers habitants. J'étais la récupérer assez rapidement. Et du coup, oh my god, je suis déçue. Est-ce qu'on passerait pas chez les sœurs Doigts de Fée un petit peu, les cocos? Vous savez quoi, on va y passer. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Et bah, go aller voir. Mais regardez, j'ai trop bien fait. La Nadine, elle est juste ici. Aïe, aïe, aïe. Elle est juste là, Nadine. Coucou. Elle est en train de faire du shopping. Vous savez qu'on va la laisser faire du shopping tranquille. C'est quoi ce short là derrière? Je sais pas ce que c'est. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah ouais, c'était ça, le short un peu genre... c'est un short BD. Voilà, c'est exactement ça. C'est un short BD. Alors, ensuite... franchement, c'est claqué au sol. C'est claqué au sol. C'est nul. C'est nul. Bon, je dis que c'est nul, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Hein. Oh, des moustaches de chat. Vous savez quoi? Pour pas qu'on soit venu pour rien. Bon, on n'est pas venu vraiment pour rien parce qu'il y a aussi Nadine dans la boutique. Mais réellement, bon, on est un peu venu pour rien. On achète quand même les moustaches de chat. Allez, c'est parti. Allez, on les garde sur nous tout de suite. Hein, comme ça, voilà, je suis en moustache de chat direct. Je me suis dit peut-être qu'elle allait me dire quelque chose parce que du coup, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Peut-être qu'elle s'est dit que... Je me suis dit qu'elle allait peut-être pas me reconnaître. Et bah si. J'ai appris que c'est Cinéade d'Eléane qui a réalisé ceci. Oui, c'est Lyra! Elle a vraiment fait du bon travail, tu ne trouves pas? Elle claque de ouf! Elle déchire Lyra, c'est trop beau ce qu'elle fait! Ce design me parle. Allez! Fichtre, te revois là, tout va bien? Bah ouais, ça va. Tiens, c'est pour toi. C'est ton petit cadeau, hein? C'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. Voyons, tu n'aurais pas dû, hein? Comment ça, j'aurais pas dû? Évidemment que je devrais tous les jours t'offrir des cadeaux, ma belle. Quel bel emballage! Je me sens triste de devoir le déchirer. Bah, déchire-le, c'est pas grave, c'est fait pour. Hein. Une déco faite du partage, pince-moi. Ok! Bon, elle est très contente. Oh, merci. Ok, blablabla. C'est incroyable. Chemise aventure, magnifique. Est-ce que j'ai une tête à mettre ça? Pas du tout. Allez, salut! Ok, bon bah comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à voir chez les sœurs Doigts de Fée, franchement. Franchement, je suis blasée d'aller là-bas à chaque fois. Bon, vous savez quoi? On va aller vendre tout ce qu'on a. Ok, je me permets de petites minutes, je reviens mes petits nains. Vous allez m'acheter tous les trucs dont j'ai pas besoin, dont je vais forcément me débarrasser à un moment ou un autre. Autant m'en débarrasser direct, comme ça je les ramène pas chez moi et je ne surcharge pas, eh bien, mon inventaire. Maintenant, je fais comme ça parce que sinon c'est trop la galère et après, je suis obligée de me taper plein d'allers-retours. Alors ça, on vire, ça aussi. Le tabouret, je garde. Débarteur de fitness, je garde pas. Le kit de petit coin, je le garde. La tenue de chef, je n'en veux pas. Le chapeau de pluie, j'en veux pas non plus. Le bac à litière, je garde. Survêtement, on garde. On vend. Et puis les plans, vous savez quoi? On va les vendre. Ouais, j'ai envie de les vendre. Allez hop. Comme ça, je récupère de la thune. Merci conclu. Ok, 2200 et quelques. Mais bon, regardez, je suis à 129 000 sur moi. Je sais pas, ce que je fais avec tout ça. Ok, bah c'est magnifique. Est-ce qu'avec mes moustaches de chat, il y a quelqu'un qui va me filer sa mimique ou quelque chose là aujourd'hui? C'est pas possible. Hé hey, c'est quand tu me files ta mimique, toi? Oh là là, je galère un petit peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, elle, je vais pas lui crier dessus. Elle a rien à me donner. Et le Chuck? On va aller voir le Chuck. On va retourner voir s'il voudrait pas me filer quelque chose. Mais elle aussi, hein. Hé, hey, ça fait plein de cadeaux que je t'ai offert. Hein. Tu pourrais au moins me filer ta mimique. Hein. C'est pas gentil, hein. Oh là là. Si elle m'avait filé sa mimique, eh ben, j'aurais attrapé pour elle la sauterelle. Et eh ben non, on va voir si Chuck il est encore là. Il est là, Chuck. Hé, hey, Chuck! Tu me donnes ta mimique, arrête de boire ta soupe. Donne-moi ta mimique. C'est incroyable qu'il ne veuille pas encore me filer sa mimique. Allez, s'il te plaît, quoi. Sois sympa. Oh, ben, elle est déjà rentrée chez elle.
Regardez Nadine, elle a fait tellement vite. Comment c'est possible? Regardez, qu'est-ce qui traîne devant chez elle? Oh! Attendez, on fait le tour. Oh, regardez, elle est en train de faire... Attendez, on se fait une petite pause avec elle. On fait une petite pause gymnastique avec elle. C'est yoga qu'elle fait, pardon. Mais elle fait plus. Mais fais avec moi. Bah re... Oh, elle m'a totalement snobé, regardez ça. Elle regarde son téléphone. Elle se barre. Vilaine. Oh purée. Mais donne-moi ta mimique au lieu de chanter, purée. Comme ça après je te vire. Oh là là. Et regardez, elle s'est... Oh, pas gentille. Elle s'est remise à faire son sport quand je me suis parée. Elle est pas très très sympa, dis donc hein. Bon. Oh là 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 là. Bon bah aujourd'hui on n'a encore rien récupéré, mais c'est pas grave, on bosse sur l'amitié. À mon avis ça devrait être dans pas trop longtemps, parce que franchement ça fait quand même un petit moment. Et en vrai c'est pas des photos là qu'on est en train d'essayer d'avoir, c'est les mimiques. Donc normalement c'est beaucoup plus rapide hein. C'est plus rapide les mimiques à avoir que la photo hein. C'est beaucoup plus simple. Elle est où la grisette? Je suis en train de courir partout depuis tout à l'heure. Et la grisette, file moi ta mimique. Allez s'il te plaît. Pas très sympa ça hein. Elles sont toutes vilaines avec moi en... On va se poser à côté de la belle Laura. Alors attendez, hop là. Vous allez voir, je vais m'asseoir et elle va se barrer. Non, te barre pas, hein. T'as pas intérêt à te barrer. Hein. Tu restes à côté de moi. Ah, voilà. Et ben vous savez quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ce petit let's play. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et ben moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et ben go vous abonner. Les petits pouces bleus si vous aimez mes petits let's play quotidiens. Et moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kibichis.